Je crois qu'il y a beaucoup d'inconséquences chez M. Cambadélis parce qu'il a passé l'année entière à essayer d'empêcher de, une vraie primaire de rassemblement en calquant toutes ses décisions sur les désideratas de, de François Hollande qui finalement renonce au dernier moment et maintenant dans l'affolement qui est le sien face à une primaire qui se déploie dans la plus grande confusion. Il lance des appels qui ne, qui ne seront entendus par personne, parce que je crois qu'il fallait d'abord organiser le débat de projet. Donc maintenant, nous sommes dans la campagne pour ce qui nous concerne la campagne avec Jean-Luc Mélenchon. Mais la gauche n'est-elle pas trop divisée hein, par rapport à l'enjeu de l'élection présidentielle On a Donc, vu le nombre de candidats qui se multiplient. Bien sûr qu'elle est, elle est bien trop divisée, mais elle est bien trop divisée parce que euh, euh, M. François Hollande a mis en piste Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui euh, en campagne sur un programme libéral, parce que la politique du gouvernement a fait éclater cette gauche et que son renoncement jette aujourd'hui le désarroi dans le, dans le camp socialiste. Donc nous, nous sommes engagés dans la campagne avec Mélenchon, mais avec la volonté de continuer à travailler à ce rassemblement. Je serai attentif à ce qui se passera dans la, dans la primaire socialiste et si des millions d'électeurs ne s'y retrouvent pas, nous les appellerons au rassemblement avec nous. Un dernier mot sur Jean-Christophe Cambadélis. encore. Il a fait un rappel à l'ordre à l'égard de Marie-Noël Lindmann qui a dit que euh, Manuel Valls ne pouvait pas être un rassembleur car il avait dit que les deux gauches étaient irréconciliables. Euh, Qu'en pensez-vous Êtes-vous de l'avis de Jean-Christophe Cambadélis ou de Marie-Noël Lindman Bon, écoutez, c'est évident. Je crois que tout le monde a, a bien compris que euh, Manuel Valls prend un peu euh, les Français pour des imbéciles. Il a expliqué pendant, euh, pendant trois ans comme Premier ministre que les gauches étaient irréconciliables, qu'il ne fallait faire aucun compromis avec ceux qui, comme nous, proposions des amendements à la loi Macron, puis à la loi El Khomri, euh, se battaient contre la déchéance de nationalité. Et aujourd'hui, il dit je suis le grand rassembleur de la gauche. Ça ne trompera personne. Donc évidemment, je suis plutôt de l'avis de Marie-Noël Pen sur ce point.